Bonsoir Daniel Ecclesi Pascia, ça va? Oui. Est-ce que vous êtes vraiment prêt, le latin que vous êtes est vraiment prêt à répondre que par oui ou par non? Oui. Alors, j'aime bien votre travail, mais est-ce que vous êtes au courant que la fête des vignerons, c'est avant tout un prétexte pour se bourrer la gueule tous les soirs? Oui, oui. Un Tessinois qui met en scène une fête traditionnelle vaudoise, est-ce qu'à un moment, vous avez eu l'impression d'être un imposteur? Non. Ça fait 6 ans que vous bossez sur ce spectacle, vous devez en avoir un peu marre parfois, non? Non. D'ailleurs, est-ce que ce spectacle, à votre avis, il va être vraiment bien? Oui. Vous êtes un homme très sûr de lui, hein? Non. Est-ce que vous regrettez d'avoir accepté ce défi? Non. Daniel Finzi Pasca, j'ai envie d'en savoir un tout petit peu plus sur vous. Est-ce que vous ronflez? Non. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous draguez? Est-ce que l'accent italien, ça aide pour draguer? Absolument, oui. Mais oui, 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 c'est sûr. Est-ce que vous pleurez? Oui. Est-ce que vous vous droguez? Non. Est-ce que vous votez? Oui. Est-ce que vous votez plutôt à droite? Un entrepreneur, ça vote forcément un peu à droite, non? Un entrepreneur? Mais moi, je ne suis pas un entrepreneur. Je suis un artiste et on sait que les artistes, en général, on pense... Ah, je dois dire oui ou non. Alors... Est-ce que vous votez à droite, Daniel Filippato? Non. Non, excuse. Non. Est-ce que vous aimez la Suisse? Ah oui, 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 je l'aime. Est-ce que la Suisse vous aime? Oui, je crois. Est-ce que vous mangez de la viande? Oui. Est-ce que vous triez vos déchets? Vous allez pas vous faire des amis? Non, non, oui, non, non, oui, 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 non. Non, oui, que, mais je suis souvent dans des hôtels. Non, je... Est-ce qu'un Suisse italien a le droit de mettre de l'ananas sur une pizza? Non. Est-ce que vous avez l'impression globalement que le Tessin est ignoré par le reste de la Suisse? Non. Est-ce que c'est pour le fric que vous avez accepté de mettre en scène la fête des vignerons? Non. C'est pour la gloire alors? Oui. Ça marche bien? Oui. Est-ce que vous voulez entrer dans l'histoire avec ça? Non, non. J'ai entendu dire à plusieurs reprises que le vin officiel de la fête des vignerons n'était pas super super. Est-ce que vous confirmez? Non, je confirme. Non, non. Non, ma va. Est-ce que le vin vaudois est meilleur que le vin italien? Que le vin vaudois est meilleur. Si on vous propose de mettre en scène un spectacle sur Mars, est-ce que vous acceptez? Mars? Oui. Oui, évidemment. Ouais. Évidemment. Est-ce que vous avez déjà caressé une vache? Oui. Vous bossez beaucoup à l'étranger parce que la culture en Suisse, c'est un peu chiant? Non. Est-ce que 300 balles, c'est trop cher pour une place de spectacle? Non. Est-ce que vous aimez le papé vaudois? Le papé vaudois. Le papé vaudois. Le papé vaudois. On vous a pas fait goûter le papé vaudois encore? Peut-être, mais je savais pas qu'il s'appelait comme ça. Il y a un an, vous répondiez aux questions de Romain Cliva à la matinale de la première sur la RTS. On écoute un extrait. Bon Dieu, en accord, en se donnant la main avec la confrérie. Donc, c'est eux qui vont décider qu'est-ce qu'il faut faire à la fin de compte. Sur certains éléments cette fois-ci et tout. C'est eux qui vont décider ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est compliqué d'imposer ces idées artistiques quand on traite avec une vieille confrérie vaudoise? Non. Est-ce que la confrérie a déjà refusé certaines de vos propositions depuis le début? Oui. Est-ce qu'elle vous en a au contraire imposé peut-être? Est-ce que vous étiez vraiment totalement libre de répondre à ces deux dernières questions? Oui, 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 oui. Est-ce qu'un Suisse italien a le droit de mettre de la crème dans une sauce carbonara? Mais... Non. Moi, je couche, mais que dommage. Non, non. Est-ce que vous avez l'impression d'être rémunéré correctement par rapport au travail que vous fournissez? Oui, oui.
Est-ce que ça vous empêche parfois de dormir, de faire travailler 6000 figurants bénévolement? Non. Non, aussi, attends, tu peux, j'ai pas peut-être compris bien. Est-ce que ça vous embête de faire travailler 6000 figurants bénévolement? Non. Est-ce que vous auriez accepté de mettre en scène ce spectacle bénévolement? Non. Ah ben voilà. Non. Au moins vous êtes honnête. Est-ce qu'un Suisse italien aurait secrètement préféré être juste italien? Est-ce que vous auriez préféré être italien que Suisse italien? Non. La fête des vignerons, c'est aussi une célèbre chanson. On écoute un extrait. C'était évidemment le rendez-vous chanté par la star de la fête des vignerons en 1977, Bernard Romanens. Est-ce que vous êtes personnellement ému par ce chant patriotique? Est-ce qu'il vous touche particulièrement? Non, j'ai appris à être touché. Mais non, c'est... À moi, ça me touche plus au sole mio. Que cosa ti posso dire? À moi, ça me touche pas. Que cosa ti posso dire? Le rendez-vous, Est-ce que, je pense que ce sera bon pour vous, hein. Est-ce que vous accepteriez de chanter un petit extrait de ce chant rien que pour nous? Non. Si on vous aide un peu? Non. Non, tu m'as dit que je peux dire oui ou non? Non et non. Et si le public aide un petit peu aussi? Non. Bon, non. J'insiste pas. Est-ce que vous avez menti durant cet entretien? Non. D'accord. Merci beaucoup. Vous Merci. Êtes libre. Merci.